Bull, foot, famille, des hommes, on flore hors norme. On veut de leur fils d'ores et déjà, c'est fini qu'on dorme. Lascar, côtoie les bouffes caviar. Très tard, on arrive en masse comme les tétards. Pédaille pour mes charognards, mes grailleurs de bonne grosse barbac. L'entrecôte sort du barbecue, alors aiguiser les poignards. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. On est en interview de rappeur. Il y a Nosphère avec nous, alors je te laisse te présenter. Eh bien écoute, moi c'est Nosphère. J'habite à la tête dans 33 à côté de Bordeaux. Ça fait 8 ans que je rappe. Et puis j'ai sorti quelques projets par-ci par-là et voilà. Ok, alors t'as un groupe qui s'appelle Bushwood. Voilà, c'est ça. Alors je te laisse en parler. Ouais, ben en fait Bushwood, le terme à la base, j'ai trouvé le terme en écrivant un couplet sur une prod d'Alt 3 avec qui on a travaillé un petit peu. Et j'ai fait écouter donc le couplet, la prod à mon pote Billy Joe. Et du coup il a kiffé le truc, on a écrit un morceau. Enfin il a fini d'écrire le deuxième couplet. Et de là c'est parti, on l'a clippé et puis c'était parti l'aventure Bushwood. Après on a fait le maxi ensemble et puis voilà. Ok d'accord, alors sinon il y a un projet qui est sur autre culture, c'est Bushwood Family, alors je te laisse en parler aussi. Bah écoute, Bushwood Family, bah suite au morceau qui avait marché, Bushwood, on a décidé de faire un maxi tous les deux, sans jamais collaborer ensemble avant. Donc on a décidé de faire un maxi qu'on a appelé Bushwood Family, on a sorti. Donc sur le maxi, il y a un peu de tout. Ça reste bien quand même dans le thème Bushwood, représenter les gens du coin, le coin lui-même. Et quels sont les rappeurs qui t'influencent le plus? J'écoute pas mal du Yella Wolf. J'écoute aussi du Ritz. Après tout ce qui est hip-hop à l'ancienne, que ce soit américain ou français. Rap marseillais, rap parisien, j'écoute énormément de choses. C'est le plus, il n'y en a pas forcément, parce que le délire, je pense qu'on l'a, entre guillemets, il est propre à nous-mêmes. Donc après, peut-être au niveau du flow ou des prods, j'aime bien les prods qui viennent de la côte est comme de la côte ouest des États-Unis. J'essaye d'être polyvalent et de poser un peu sur tout ce qui me plaît à l'oreille. Ok, d'accord. Sinon, alors après Bushwood Family, est-ce qu'il y aura d'autres projets qui sont prévus? Alors, des points, je pense pas. Peut-être des featuring avec Bijo, ça c'est possible. Je sais que, mais du coup, pour ma part, je vais sortir un maxi qui va s'appeler BHD, donc le diminutif de Bushwood. Il y a à peu près 8 titres. Pareil, je le mettrai en téléchargement gratuit sur Hot Culture. Et pour Billy Joe, il va sortir un maxi qui s'appelle La Petite Maison de la Tuerie, qui sortira avec l'aide du label Neochrome. Et puis voilà, pour le moment c'est les infos. Moi peut-être un clip à venir d'ici peu de temps là, sur un nouveau morceau que je vais poser demain d'ailleurs, chez Pete. Et puis pour le moment c'est tout. J'ai plus trop, je manque un peu de temps en ce moment pour faire du son, mais bon j'essaie toujours d'avoir le nez dedans. Et la dernière question qui change de sujet, est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Une équipe de foot, ben on va dire les Bleus avec l'Euro. Ah bah ouais, bien vu hein. Du coup c'est la fin de l'interview hein. Merci à toi Nosphère de ta participation. Eh ben avec plaisir. Et puis je vous invite tous à aller checker les clips de la Bushwood Family, la page Facebook, tout ça, c'est dans la description. Et je vous laisse aussi mettre un j'aime, un commentaire à la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Sortez les fusils de chasse, ça fait longtemps qu'on est plus sage. Ça cache chronique, Bushwood Family, on bloque le passage. Toujours les mêmes enfoirés qui traînent sur le boulevard. Ici, on se retrouve à la cabane, bar à la chicha.